Et bonjour à tous, aujourd'hui Gano la vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se trouve pour voir ensemble le meilleur véhicule de GTA 5 Online. Et oui les gars, c'est une série que j'ai commencé il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on prend un véhicule et vous allez voir que ça va être le meilleur. Alors là vous allez me dire, c'est pas celui-là. Et bah les gars, vraiment détendez-vous, c'est l'un des meilleurs véhicules, que ce soit esthétiquement et surtout la vitesse. La vitesse est juste incroyable. Alors vous allez me dire, pourtant c'est la Banshee. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, ils savent que... Attends, la radio, oh. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, ils savent que c'est un véhicule du mode histoire qui est, que on peut trouver partout. Et pourtant les gars, on serait surpris, moi le premier, c'est à dire que je viens de l'acheter. Alors il coûte pas cher, par contre il va à une vitesse, une fois customisé, vous allez voir c'est dingue. Et surtout qu'on peut, pour le joueur PS5, l'envoyer très loin. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Déjà, bon alors je le redis quand même, c'est la Bravado Banshee. Premièrement, avant que ça commence, j'ai un petit pouce bleu, abonne-toi, c'est pas encore déjà fait, merci à tous ceux qui commentent, ça me fait plaisir. Enfin tous ceux, voilà. Non plus 40 000, mais en tout cas ça me fait beaucoup plaisir. En tout cas les gars, c'est vrai que j'avais commencé une petite série de vidéos où je présentais les meilleurs véhicules GTA 5 physiquement. Celui-là est quand même plutôt quali, mais j'aimais bien le rentrer un peu dans cette classe là parce que c'est vrai que physiquement il est beau, mais c'est surtout sa vitesse à m'a choqué. Alors c'est pas un véhicule qui de base est rapide, mais grâce à la customisation qu'on va faire, vous allez voir, ça va être assez chaud. Alors je crois que c'est l'un des seuls véhicules où on peut faire ça, dites-moi si je me trompe, mais ça va être un véhicule qui va être transformable finalement de deux manières. Un, chez OAO, ce je sais pas quoi truc. Donc là déjà, si vous savez que si on peut faire ça, c'est qu'il va à une vitesse folle après dès qu'on le transforme. Et il peut notamment également, alors j'espère qu'on peut faire les deux, on va essayer, le transformer, je sais plus où il est, je suis con, voilà, chez Beniz. C'est-à-dire que c'est un véhicule Beniz qui peut être transformé physiquement. Et la vitesse, enfin la tout en fait, j'ai la vitesse, mais tout, le freinage, la vitesse, l'accélération va être full boosté à mort. Alors les gars, si vous êtes sur PS5 ou Xbox Series X, ce véhicule est vraiment incroyable. Pour les autres, pour PC, je sais pas du tout si ça compte. Et pour les autres, peut-être qu'ils l'ont mis maintenant. Peut-être qu'ils l'ont mis dans une nouvelle mise à jour, je ne sais pas, faudra vérifier. Mais en tout cas, au début, OAO, tout ça là, enfin HSW là, et bah c'était disponible que sur PS5. Alors, je sais pas si en premier je vais chez Beniz ou chez OAO. Je pense qu'on va aller chez Beniz, on va le customiser beau. On va faire un truc classe de ouf. Enfin, classe, on va voir un peu ce qu'on trouve. S'il veut bien, c'est la deuxième porte. J'ai un peu con. C'est la deuxième porte, ouais, mais en même temps vous faites deux portes. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais alors je vais quand même, ah non, je vais pas vous montrer, attends, je vais vous montrer avant, c'est vrai que je brûle un peu les étapes. Avant de le customiser, c'est un véhicule qui à l'achat coûte 105 000 $, donc c'est quand même très très peu, mais moi je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que vous c'est le cas, alors je ne connais vraiment pas la raison, je ne sais pas. Mais pour moi, il est gratuit. Alors c'est-à-dire que c'est bénef, voilà. L'un des meilleurs véhicules du jeu, ça rapporte aussi dedans, voilà, chez Bravado Banshee. Zéro, voilà, je sais pas pourquoi, voilà, tu vois, j'ai une réduction qui est tout le temps, c'est pas seulement cette semaine, pas seulement au moment où vous regardez, pas seulement plus tard et c'est fini, c'est à vie, apparemment, donc tant mieux, donc j'ai eu ce véhicule là qui est gratuit. Alors, on peut pas le trouver d'ailleurs sur la map, hein. C'est vrai que bon, après 100 000 €, c'est vraiment pas cher, par contre, il va coûter cher, ça va être pour les transformations qu'on va faire, et oui, parce que ce véhicule là, c'est peut-être l'un des meilleurs véhicules du jeu, mais... Ah, ça va, je pensais plus. Ah bah ça va être HSW qui va vraiment faire mal. Enfin, déjà ça fait quand même, 500, ouais, j'allais dire 600 000, non, quand même pas, 550 000, on arrondit. Y'a quoi? Ah ok, l'arrière est un peu plus gros, ok non, il est plus épais, l'avant est plus épais, ok. Blindage, on met pour le principe frein. Ça on met, ça c'est vraiment les trucs. Ah mais d'ailleurs le frein, tout ça je suis con. Il faut qu'on fasse que l'esthétique parce que je suis con. Il faut qu'on fasse chez HSW tout ce qui est performance. Ok, on met au max. Ah là, vraiment, bloc moteur, tout ça. Fais voir, mais... Ok, non, c'est esthétique, ça. Ça, c'est esthétique, on met... Même si c'est l'intérieur, en plus, ça sert à rien. C'est vraiment l'intérieur. Faut vraiment être un kéké, parce que... À part si tu casses ton véhicule, ça ne se voit pas. Et je le fais quand même, ça le pire. Échappement. Oui, évidemment. Échappement, évidemment. Elle, qu'est-ce que c'est? Ah, ça change, là. Sans vis. On va mettre... Ah, c'est vrai que sans vis, c'est un peu plus classe, hein, quand même, hein. Non, on va mettre les vis, déjà ça coûte assez cher, on va garder un peu ce qui montre qu'elle est modifiée. C'est vrai que ce véhicule là, malheureusement, c'est que s'il est pas assez modifié, je pense, les gens sur la map vont se dire, le mec a quand même custom un véhicule de PNJ. Bon, celui-là on peut pas, je pense que vu que c'est un véhicule de luxe, il faut qu'on l'achète. Je sais pas c'est quoi le mieux, j'aime bien quand c'est un peu rouge là. Faut voir un peu comment je veux, non, klaxon je m'en tape. Faut voir un peu, ah décoration, non, c'est long ça. Floqué, carbone, des fois c'est bien mais... Ah, aluminium, il y a un délire, siège, je m'en fous, volant,
Pareil, en vrai de vrai, on va pas se fatiguer avec ça. Éclairage, vraiment, ça c'est pour le principe, parce qu'à chaque fois j'oublie en plus de le changer avec la couleur que je mets. Motif, alors ça va dépendre, hein. Ça va dépendre, barre latérale, fais voir. Bah c'est déjà, ouais bon c'est déjà ça, c'est déjà le truc. Ok, motif sur le côté, et ouais. Ah, y a un délire, ça fait un peu course. Ah bah c'est une bande de course, oui bah c'est ça fait un peu course. Ah, est-ce que je la mets en mode course? Peut-être que y a un... Ah non. C'est rare que je mette des motifs quand même, un truc comme ça. Plaque pour le principe, vraiment, voilà, c'est gratuit. Couleur principale, ça c'est un truc quand même plus ou moins important. Chrome, peut-être pas. Chrome, c'est gratuit, remarque. Mais quand même, je suis pas un rat à ce point. Métallisé, je pense. Et je pense. Généralement, je mets noir, je mets un truc assez noir. Et je mets un truc nacré quand même plutôt. Par contre, j'espère que je peux l'enlever la bande. Attends, fais voir juste si je peux l'enlever. Ouais, ok, je mettrai un truc après. Parce que c'est vrai que la bande au milieu, je suis pas fan. Fais voir un peu ce que je peux mettre, mais. Si je mets noir en vrai, si je peux mettre, essayer de mettre un truc un peu noir. Je peux mettre noir, je vais mettre nacré un peu blanc, genre. J'aime bien faire ça. Habituellement, j'aime bien faire ça quand même. Généralement, je mets blanc, mais est-ce que je mets autre chose? C'est vrai que. C'est vrai que rouge, j'y ai un délire. Il y a un truc rouge. Allez, rouge Formula pour changer. Ah, ça se rouge Torino le mieux. Ouais, ah non. Non, rouge Formula. Ok, couleur secondaire, c'est pas grave. En vrai, ça se voit pour tout. Toi. Ah, non. Alors là, franchement. Ah, remarque, il ressemble moins à celui de base, en fait. Au véhicule de base, si je fais comme ça. Allez, décapotable. Allez, soyons fous. Franchement, soyons fous. Vendre, non, bas de caisse. Pourquoi pas, en vrai, bas de caisse, voilà, tranquillement, je vais mettre le truc au max. Aileron, ça dépend. Oh, voilà, les derniers ailerons, c'est même pas la peine. Pourquoi pas le petit aileron, tu sais, qui se confond avec le véhicule. Dès que c'est carbone, ça se confond pas. Voilà, lui, il se confond. Suspension, bon, pourquoi pas. Haillon. Ah, c'est un mini truc derrière encore. Non, pas carbone, sûr. Faut que j'en genre. Lisse. Non, mais sinon, il y avait un petit. Voilà, il y a un petit reflet là, je vais faire un petit truc, c'est pas mal. Transmission, je vais rien mettre, ça j'attendrai le truc HSW, vitre. Ouah, c'est vraiment parce qu'il y a un petit truc qui tourne. Ok, nickel, alors là, esthétiquement il est beau. Esthétiquement il est beau, déjà ça avait l'un des véhicules quand même plutôt sympathique. J'aime beaucoup par contre la transformation entre celui d'avant et celui-là. Voilà, par contre il va pas à la vitesse qu'on veut parce que c'est vrai que les gars, une fois la vitesse maximum, c'est vrai que je l'ai pas dit mais en même temps je l'ai pas encore customisé. Bon non, je le custom et après je vous dis la vitesse qui est juste dingue. C'est vrai que les gars, la vitesse, bah, il détruit. Bah, c'est le top 3, je crois. Top 3 ou top 4 des véhicules les plus rapides du jeu. Sur PS5, je le répète, pour ceux qui sont sur PS4, vous allez me dire, mais non, c'est le 40e. Non, justement, avec le truc qu'on va faire. Non, mais peut-être que maintenant sur PS4, il y a HSW, je ne sais pas. C'est vrai qu'à la sortie, c'était que sur Next Gen, j'ai envie de te dire. Ok. Ok, là j'aime beaucoup où je suis. J'aime beaucoup où je suis. Les gars, au cas où, hein, quand même, je suis là. Hein, c'est vraiment le salon auto DLS. Et attention, j'espère que je peux transformer en plus. Alors, les gars, je peux pas faire les deux. Je suis abattu. Je suis abattu, on a transformé le véhicule pour rien. Ah, j'ai le démon. Ah, les gars, en plus, la transformation a coûté, je crois, 1 million. Combien? 1 840 000 dollars. Sauf que je peux pas transformer. Alors qu'il est déjà modifié chez. Je ne savais pas. C'est pas marqué nulle part. J'ai pas vu de vidéo. Ça c'est dommage. Alors, est-ce qu'on laisse comme ça physiquement? Mais il ressemblera pas. Il ressemblera vraiment à une Banshee en fait après. Les gars, je vais faire le choix de rester chez Beniz. Par contre, je vais vous dire quand même la vitesse. Parce que si vous choisissez vous le HSW, bah déjà vous choisissez la vitesse. Vous choisissez la vitesse et les gars, ce véhicule. Alors, déjà, je vous souhaite qu'il sorte. Voilà, non. Il va les gars, c'est fou hein. 153 miles par heure, ce qui équivaut à 246 km/h. Sachez que la voiture la plus rapide du jeu, c'est-à-dire la Striker TT, va à 10 km/h de plus. Ou 15 km/h de plus, je pense. Elle va à 160, je crois. 260. Facile. Donc là, 246, c'est clairement hallucinant. Sachant que le deuxième véhicule, je crois, est 10 km/h en dessous de la GTO. Donc celui-ci, bah vraiment, est à 15. 15 max km/h en dessous. Ça en fait, je crois, bah, top 5, c'est sûr. Top 5, c'est sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais après, véhicule 4 roues, hein, attention, parce qu'il y a véhicule 2 roues, les motos. C'est vrai que les autres motos HSW sont aussi rapides. Mais
ce véhicule là. C'est dommage que là du coup on peut pas avoir la vitesse. Regarde, la vitesse est plutôt sympa. Remarque, ah oui non mais j'avoue j'ai même pas mis le réglage du moteur en plus. Ouais, bon là la vitesse là elle est classique. Là, la vitesse c'est la vitesse PNJ. Mais de base il va à 250 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Ce véhicule là, bah tant pis, je vais quand même faire la vidéo meilleur véhicule. C'est dommage parce que je pensais que ça allait être le meilleur véhicule esthétiquement comme là. Et en fait non, il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix, donc je mettrai meilleur véhicule presque, entre parenthèses. Je mettrai le mot presque. Est-ce que ça rentre dans la case quand même des meilleurs véhicules? Parce que bah c'est, il est hyper rapide. En fait c'est un véhicule à choix quoi. C'est un véhicule à choix. C'est dommage que Rockstar puisse pas faire les deux. C'est vraiment dommage que, c'est vrai que lui c'était un véhicule de chez Benz depuis très très longtemps. Donc je pensais quand même que en mettant HSW, ils auraient quand même c'était un plus quoi. C'était un plus au véhicule. Et en fait non, c'est un choix. Ça c'est dommage. C'est un dommage que tu vois, sinon t'enlèves tout décapotable, t'enlèves l'aileron à la con, t'enlèves ce truc là, t'enlèves l'avant capot, t'enlèves un peu le truc large, t'enlèves tout le truc un peu esthétique, et ça c'est dommage pour la vitesse. Mais comme il y a déjà la Striker TT, toi c'était un combo qu'il fallait faire, donc c'est dommage. Bon en tout cas les gars, voilà, on aura testé un petit peu. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu tester vraiment plus les caractéristiques, on va dire, voilà, mais ça sert à rien parce que ces caractéristiques sont folles. Mais il faudrait que j'enlève tout, et franchement j'ai pas envie. j'ai pas envie, mais croyez-moi c'est l'un des véhicules les plus forts quand il est HSW, malheureusement je ne peux pas le tester. Alors malgré tout, je peux quand même dire que... Et encore c'est un peu faussé, mais freinage, il fait partie des très hauts, il est à 40 HSW, donc c'est juste hallucinant. Tenue de route, c'est l'un des meilleurs. Bon, alors le problème c'est qu'il n'est pas HSW là. Ouais, là il n'est pas HSW mais il est quand même plutôt sympathique. Rapidité, bon bah fou, c'est un des meilleurs. Et accélération, et alors Rockstar le met à 85, mais HSW c'est un peu plus, donc je veux dire 95. Donc accélération, on va tester comme ça celui de base. Ça va, ça va. C'est un véhicule non électrique, hein. Donc les véhicules électriques, eux, vont beaucoup plus rapide à chaque fois. Là ça va, et encore il n'est pas du tout modifié lui, donc je suis très étonné. Ah ouais, regarde la vitesse max. Je suis quand même très étonné sans modification. Bon, en tout cas, voilà les gars, c'est dommage. Mais c'est tout pour moi. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre Alex. Que des bonnes choses. Et puis écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Et ciao.